bonsoir, je suis avec une jeune fille, celle-là elle a 20 ans. Elle me dit qu'elle pense que c'est nécessaire de souffrir. Voilà. On a commencé ça comment? Je faisais un petit jeu. Je lui ai donc dit, je fais ça souvent dans mes séances de coaching. Donc je lui ai dit, dis-moi ce que tu aimerais que... excusez-moi, ton fils dise à tes obsèques. Elle, elle est un peu perdue. Elle dit... elle dit, ok. Ouais, elle avait souffert pour avoir son argent. Elle avait... Je lui dis, mais pourquoi c'est nécessaire de souffrir? Tu as dit que quoi encore là? Réponds-toi. J'ai dit, voilà que ça arrivait devant. Le père me dit, j'ai travaillé dur pour avoir ce que j'ai. Elle a été habituée à travailler dur pour avoir. Donc, je prends du panaché. Trésor Simi. Elle dit ce que vous pensez tout bas. J'aime souvent travailler avec les jeunes parce que les jeunes sont honnêtes. L'adulte va cacher ces choses. L'adulte va cacher. La reine au feta. Toi, tu as quoi là? L'adulte va cacher. Bonsoir, le roi Kati. Et là, je lui demande que pourquoi tu ne peux pas avoir seulement ton argent directement? Elle dit non, que je dois d'abord souffrir parce que je veux que les gens me disent que les gens disent de moi que j'ai souffert avant d'avoir mon argent. C'est pour ça que vous souffrez comme ça. Pardon, excusez-moi. Je lui dis donc ceci. Est-ce que tu sais qu'il y a les gens que quand ils naissent, bonsoir Akono, Amgaka, Akono, je déclare que tu m'as miliqué. Je vais te parler le patois, Amgaka. Est-ce que tu sais qu'il y a les gens qui naissent? Imaginez si vous étiez né dans le corps de l'une des Kardashians. Quand tu nais, on a déjà acheté tes terrains. Tu as déjà les appartements à ton nom. Tu as déjà plus d'argent que tu ne peux dépenser. Même si tu voulais, même si tu avais toute la volonté du monde, tu ne pourrais pas dépenser l'argent là. Et chaque jour, ça entre encore. Parce que tes parents étaient intelligents. Donc, tu vas dire, moi, je ne veux pas l'argent si. Moi, je ne veux pas les grandes maisons. Moi, je ne veux pas la villa. Je ne veux pas vivre dans la villa si. Tu prends tes habits, tu mets dans le sac poubelle. N'est-ce pas? Tu lances sur ton dos comme ça là. Tu sors de la maison. Tu dis, moi, il faut aller souffrir. Moi, il veut souffrir. La conversation que j'ai, c'est très... Ça paraît anodin, hein. Mais c'est très important ce que je suis en train de vous dire. Ah bon? Allez, tu dis, moi, il veut souffrir. Que moi, je veux souffrir. Tu pars de la maison. Ton père t'appelle, il veut te donner l'argent. Tu dis, je ne veux pas, papa. N'est-ce pas? Après, tu dis que je vais fabriquer mon argent moi-même. Tu souffres. Tu souffres. Tu tapes même 25 ans. C'est pour ça que vous souffrez comme vous souffrez là. Moi-même, je lui dis que j'ai souffert. Parce que j'étais convaincue que ma part d'argent là est... Attendez, arrête mes cheveux qui font le... J'ai envie de tailler les cheveux ici là. Ne commentez pas mes cheveux, ne dites rien par rapport à mes cheveux. Bon, continuons. J'ai souffert. Quand je souffrais, je pensais que c'est le bon chemin. Que non, après on va me dire, quand les gens vont me voir, ils vont dire, waouh, elle a souffert pour avoir son argent. Et ils vont me respecter. Oh Seigneur. C'est comme si c'était même un envoûtement. Hein. C'est comme si la pauvreté, c'est un envoûtement.
C'est un mauvais sort. Exactement. Marie-Paulette, tu as bien dit que les Africains sont maso. Tu aimes donc. Tu restes comme ça, tu ne souffres pas. Tu dis que non, je dois souffrir. Quand ta relation se passe bien avec ton gars, tu dis que non, on doit avoir des problèmes. Tu l'incites. Tu l'insultes, il ne sourit pas. Il te trompe. Après, tu vois, tu comprends les problèmes à la maison. La pauvreté, c'est un péché. Quand on dit que le péché, la pauvreté, c'est le péché. Donc, beaucoup d'entre vous, là, j'ai péché longtemps. Voilà, tu mangeras à la sueur de ton front. Depuis 15 ans que tu as la sueur sur ton front, là, tu as à manger tout ça. Voilà, c'est ça. Silk scarf, la soie. C'est comme ça que tout le monde ne peut pas être riche. Il faut quand même les pauvres pour équilibrer. C'est pour ça que vous êtes pauvres. Seul le travail paye. Mm-hmm. Est-ce que vous savez que les plus grandes transactions qui vont vous donner l'argent, il n'y a pas l'effort physique sur ça. Il n'y a pas l'effort physique sur ça. Et quand ça se passe, même l'argent vient rapidement, tu commences à te dire que Donc je m'assois sa main ici, comme ça tu vas me donner. Tu me donnes 1 million. Je parle seulement comme ça, là, vous me donnez 25 000 dollars. Non, il y a anguille sous roche. Je dois souffrir. Je dois me justifier. Je dois. Il y a des gens qui viennent souvent. J'ai dit que consultation, la personne paye le double, même le triple. Il dit que prends le reste, tu achètes ce que tu fais, ce que tu avais. Je reste comme ça, je dis que, alors qu'il y a d'autres personnes, les clients qui te payent le moins sont ceux qui vont te déranger le plus. Beaucoup d'entre vous, vous devez vous débarrasser de vos clienticones ce soir. Elle te paye l'argent, elle ne met pas les frais de retrait. C'est une clienticone. C'est une clienticone. Voilà, vous voilà, non, la souffrance c'est le sel de la vie. Ne vous inquiétez pas, que ma vie n'est pas le sel. Je vais faire le régime. À venir à bâtir à ceux qui se lèvent tôt. Vous voilà avec vos pensées. Vous devez formater vos cerveaux, vous changez le programme. Vous installez un nouveau programme. Comme ça, quand tu vois les gens qui ont l'argent, ça t'énerve. Ton cœur fait mal. Ça te fait mal. Gars, j'ai commencé à bénir les gens qui ont l'argent plus que moi. Tu pars quelque part, tu réfléchis pour sortir 500 000. Tu réfléchis sur 500 000, tu achètes 10 articles. Quelqu'un vient acheter un article à 500 000, bénis la personne. Bénis la personne. Ta voiture là que tu as acheté à 5 000 euros. Quelqu'un d'autre achète la voiture, 50 000 euros. Bénis sa voiture. Bénis-le. On lui dit, n'est pas c'est vous. Nous on est venus vous accompagner sur la terre, non. Non, nous on est venus. Yay. Il n'y a pas de réussite sans sacrifice. Séverine Billy, je vais te bloquer. Arrête de dire tes fausses pensées là. Il n'y a pas de réussite sans sacrifice, c'est quoi ça? Trouver sans chercher, c'est avoir cherché longtemps sans trouver. Je pense que oui. Mais en fait, tu cherchais parce que tu croyais que pour trouver, il faut chercher. Tu ne sais pas que tu peux rester comme ça, tu ne cherches même pas. Ça vient te trouver. Tu ne cherches pas. Tu restes avant, tu dis que tu contemples que ce serait bien d'avoir
un bel Italien riche, ouais, jeune, qui a mis le mambo, le chocolat sur, sur son ventre, plein les plaquettes de chocolat. Le soir, là, comme ça, là, tu restes devant ta maison, comme ça. Hein. Un monsieur passe avec sa Cayenne, là, sa voiture se garde devant ta maison. Il vient sonner, il dit, bonjour, madame, vous n'aurez pas... Je vais mettre l'eau dans mon réservoir de quoi, là, dans mon radiateur. Quand tu ouvres la porte, il te regarde, ça, il tombe amoureuse de toi. C'est venu te trouver. Tu n'es pas parti sur les sites de rencontre. Ouais, je sais que quelqu'un parle, vous ne croyez pas, non. Comme moi ce matin, non. Tu restes dans ta chambre d'hôtel, quelqu'un vient, il prend ton chargeur. Il vient prendre son chargeur. Oh yes, Seigneur. Seul est, seul. Ça vient seul. Tu restes aux ados. Et si l'homme là sonne à ta porte, il te regarde, il prend ton numéro, puis il commence à dire que je suis tombé amoureux de toi. Tu vas commencer à dire que non, c'est trop beau pour être vrai. Toi-même, tu vas gâter la relation là. Tu ris. C'est la vérité. Le soir, tu vas dire à ta mère, elle va dire, hey, hey. Jamais. Mm-mm. Tu sais, on va dire que les gars là, les Italiens là, prennent les filles dans la sorcellerie. Qui est dans la franc-maçonnerie. Hey, ma maman, non, 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 il veut te... Pardon, il faut le fuir. Bloque-le ce soir, bloque-le. Oh Seigneur, combien de fois vous avez bloqué vous-même? Donc, toi-même, tu as bloqué, donc, tu as bloqué tes Lamborghini, tu as bloqué tes Italiens, tu as bloqué tes Français. Seul est. La semaine prochaine, tu vas encore rencontrer l'autre. Tu vas encore faire. Le tout s'il est. Le tout si. Il va venir te trouver. Comme tu t'as trouvé la réception là, de l'hôtel, tu étais réceptionniste. Deux semaines plus tard, il t'épouse. Deux mois plus tard, il fait tes papiers. Tu arrives là-bas, tu pars entrer dans le château. Tous les mamaticones et les papaticones là, tu vas les jeter au champ. Olivier Kamge, il dit qu'avant il pensait que le paradis était pour les pauvres. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Ouais. Et c'est. Quand quelqu'un te dit qu'il veut, il veut te prendre, il prend ton chargeur, tu le fuis. Alors que voilà, voilà ta part de bénédiction. Tu vois, dit que, hey, on m'a dit que les Ivoiriens, non, on m'a dit que, écoutez, vous ne savez pas combien de bénédictions vous-même vous avez bloquées. Quelqu'un te dit que je t'amène faire le shopping. Tu m'as dit que non, pourquoi il m'achète des choses comme ça simples, pour rien, alors que je n'ai même pas couché avec toi. Oui. Oui. Vous-même, vous avez gâté vos choses. Vous êtes faux pour regarder les films de Jennifer Lopez, là où elle rencontre un gars. Que coup de foudre à Manhattan. Tu vois comment l'homme qui est riche, là, vient, il la prend, il épouse. Quand ta part arrive, tu fuis, tu dis que non. Quand ta part arrive, tu dis non, 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 non. Tu as peur. Toi, quand tu gâtes, tu fais le message la nuit, tu dis que non, je ne veux plus, pardon, je ne veux plus. Que non, 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 ça va trop vite pour moi. Que prenons notre temps. C'est toi qui ne t'habitues pas à l'argent que l'homme-là veut te donner. L'énergie que tu ressens là, il y a un homme quelque part dans ta ville. Il a beaucoup d'argent, il n'a rien à faire avec elle. Il n'a rien à faire avec. Ou bien il y a un client. Ou bien une femme qui n'a rien à faire avec son argent. Mets-toi seulement sur la bonne vibration. Vous allez vous rencontrer, la personne va porter comme ça, la 15 millions te donner.
Tu dis que simplement comme ça pour rien. Elle te dit que oui, prends. Tu es habitué à souffrir. Tu vois, quand tu quittes un homme, tu dis que je veux souffrir seul. Je veux me construire. Je veux. Écoutez, arrêtez ça. Arrêtez. Avec Gucci au pied, oui. Linda Sivan, j'ai changé ton adresse. Voilà, tu dis que c'est le film. Toi-même, tu gâtes ton propre film. Habituez-vous à la richesse. Habituez-vous donc. Tu peux sortir un soir comme ça là. Tu sors un soir comme ça, tu tombes sur un homme. Pam. Il s'arrête pour un renseignement. Oh madame, est-ce que vous pouvez m'aider? Après tu dis, oh ok, tu lui montes. Après tu dis que tu sais quoi? Entre dans ma voiture. Tu vas dire, hé, il va me kidnapper. Hé. Ouais, Seigneur. Méfiez-vous, non? Que le monde est mauvais, c'est bien qu'on se met. Toi-même là dans ton cœur, tu as trop vu les films nigériens avec les sorciers. Tu te méfies de tout le monde. Tu rencontres un homme, un mois et demi plus tard, vous êtes mariés. Un mois et demi plus tard, vous êtes mariés. Vous aménagez, vous achetez la maison. De ouais, Seigneur. Deux mois plus tard, vous êtes enceinte de l'enfant. Un an après que vous soyez rencontré, vous avez à tout. Lumière, sagesse divine, c'est bien. C'est bien comme tes pensées sont en train de changer. Je peux vous parler ce soir, vous finissez mon direct. Tu sors, tu pars à la boutique là-bas pour acheter le jus. Comme ça, comme les blagues. Comme les blagues. Et vous, dites-moi mes choses, vous parlez quoi? Pardon, jus, je veux le Fanta, madame. Fanta. Merci. Tu vois, c'est pour ton corps. Le coup de foudre résiste. Et mais, hey, Christian, tu veux draguer Hélène ici là? Dis, je suis là, bébé. Non, il faut laisser qu'on vous complimente. Les cadeaux alors, hein. Les Ivoiriens m'ont gâté avec les cadeaux. Maman. Les Ivoiriens m'ont gâté avec les cadeaux. Je ne veux plus rentrer au Cameroun. Et ça, qu'elle va arriver en France, alors, ça sera grave. Vous allez me loger dans les villas là-bas, à Cannes. Je vais venir à Nice. J'ai un monsieur là qui m'a invité à Nice là-bas. Il dit que quand il finit mes consultations, je vais un peu passer deux ou trois jours au bord de la mer. Là, il vient chez lui. Après, on va prendre le Baileys. Mets le reste chez toi. Après, on va boire le Baileys. Je bois ça parce qu'elle veut vous parler. Après, elle veut partir par le Baileys. Vous m'écoutez, hein? Je vous parle. Après, vous allez devoir faire face à vos propres petits démons. Les démons qui vous sabotent. Tu avais rencontré ton blanc. Est-ce que tu sais que tu peux rencontrer un homme, il a l'argent? Ton manque de foi, ça appauvrit l'homme-là. Il devient pauvre juste pour te prouver que tu ne mérites pas d'être avec un homme riche. Et comme tu peux rencontrer un homme, ta foi fait que l'on commence à avoir l'argent. J'ai beau dire que le Cameroun là, Abidjan est doux.
Des moments, ton énergie peut s'élever. Après toi-même. Parce que vous avez une puissance. Si tu crois que tu peux, tu peux. Si tu crois que tu ne peux pas, toi-même, tu ne peux pas. Te lever le matin, tu n'as même pas 100 euros sur toi. Le soir, tu te retrouves dans la villa de Rihanna. Parce que d'un truc à l'autre, tu as rencontré quelqu'un qui était... Parce que toujours ta vibration était haute. Le soir, tu te retrouves dans la même salle que le premier ministre de ton pays. Parce que vous savez que tous ces gens-là, ce sont des êtres humains comme nous, hein. Quand vous rêvez souvent que souvent tu étais avec Beyoncé, tu étais avec Rihanna dans ton rêve là, avec ton fils. Ce sont des gens simples comme vous et moi. Hein. Et ils connaissent quelqu'un qui connaît quelqu'un que tu connais. Mais ta vibration ne s'est pas encore alignée. Ta vibration ne s'est pas alignée déjà que le soir là on t'amène chez toi. Comme ça là, bêtement pourri. Quelqu'un te dit, ah tu sais quoi? Je partais, on prend l'avion comme ça, on partait dans la villa de Eto là-bas. Tu te retrouves le soir, tu es dans l'avion, papa, on dit, tu as ta carte d'identité, oui. Jet privé, tu n'as pas besoin de visa. Et voilà, 6 heures plus tard. 6 heures plus tard, tu es aux États-Unis. On t'a fait passer que par le couloir PS privé. Tu croyais qu'il fallait que tu fasses 2 mois pour le visa. Il fallait que ceci, il fallait que tout ça là... Tu te retrouves peut-être avec le fils de l'ambassadeur. Ils ont les passeports diplomatiques chez eux. Tout leur convoi n'est jamais checké. On peut te mettre dans un vol privé. On te fait. Après, oh, c'est notre ami. Fais-la passer, on te fait passer. Ils arrivent là-bas à la réception, chez le premier ministre ou bien chez le président de la République des États-Unis. Te voilà, le soir là même, tu es là-bas chez eux. Tu regardes ça, tu as été rêvé. Je sais qu'il y en a parmi vous que ça vous est déjà arrivé. Après, ta propre vibration a baissé. Oui, avec Madame Macron, voilà. Après, ta propre vibration baisse, tu commences encore à te gâter toi-même. Ah non, c'est trop beau pour être vrai. Ou bien tu écris à ta tante, tu lui dis. Dis Cabo, mon argent vient dans toutes les devises. Tu peux comprendre? Je peux parler même de yens. Tu me comprends, non? Je peux parler d'euros, de dollars. Comme je suis là, comme ça, là. Je marche toujours avec toutes les devises sur moi. C'est vous qui êtes limité parce que vous êtes au Cameroun, vous croyez que vous travaillez sur le franc CFA. Quand j'ai dépassé le dégueu là. Je ne pense pas en franc CFA. Même l'argent des Chinois, ça vient dans ma vie. Je ne pense pas en franc CFA. C'est vous qui encore. Le plus grand billet africain, c'est 10 000 francs CFA. Je vois les gens qui viennent au bureau comme ça là. Ils me sortent le billet de 200 dollars. 200 euros. 100 dollars. Ils disent que je prends toutes les devises. Ne vous inquiétez même pas. C'est vous qui avez les complexes. Petit complexe là. Même si tu es en Afrique, commence à connaître les coûts des devises étrangères. Tu vas voir que tu vas rencontrer les gens. On va commencer à donner l'argent d'ailleurs. Parce que vous vous bloquez trop. Il ne peut pas passer une semaine sans que quelqu'un ne me paye en dollars ou en euros dans mon bureau. Alors que je suis au Cameroun, les dollars canadiens ont jeté. Et à l'aéroport le jour,
Il fallait que je retire l'argent pour payer mon excédent de kilos. Il n'y avait pas Orange Money. J'ai sorti mes euros une fois, j'ai changé l'argent, j'ai payé mon tout, je suis parti. Alors que j'étais au Cameroun. Et je ne viens pas de même. Tout est dans la tête. Quelqu'un peut venir de l'Europe, je lui envie avec quoi? Je t'envie avec quoi? Je t'envie avec quoi? Tu fais tant de jours de travail pour avoir 2000 euros, 2500 euros. Je vous dis souvent que quitter l'Europe, venez en Afrique. On va vous montrer comment on mange l'argent. Vous aimez trop vos bêtises. Bon, je suis gentil avec vous. Je suis gentil avec vous. Et comment on peut pas. Comment ça insulter les Européens là? Souvent, tu vois quelqu'un coup de gueule, toi, que la mousse, moi, mais 150 euros. C'est son argent de 8 semaines de travail. Transaction de 20 minutes là, 150 euros. Votre mindset doit changer. C'est pas parce que vous avez le passeport Bordeaux que vous êtes arrivé. C'est l'arnaque. C'est l'arnaque. On vous a arnaqué. Tu as vendu 15 ans de ta vie, tu as eu un passeport rouge. Tu vois où tu es arrivé. Prochaine étape, tu vas faire 25 ans pour avoir une maison. Jesus. Jesus. Bonsoir le roi Saïd. Je vous parle comme ça, pourquoi vous fâchez? Fâchez-vous, vous sortez du système. Sortez de là. Ne croyez pas que je veux me moquer de vous. Quoi que je n'aime même pas que ça fait. Même pas que ça fait. Vos pensées sont trop. Même leurs propres gens, ils les ont mis dans le système. Ils sont bloqués. Combien de fois toi qui viens d'Afrique? Jérôme. Ah oui, c'est bien toi. Tu avais passé quelques mois ici, là, le nom. Monsieur Jérôme. Je ne savais pas où tu avais retrouvé ma page. Comment tu vas? Ophélie Cavin. Je ne sais pas, Gavin, je ne sais pas quelle selle tu as d'abord. Ça, c'est les gens que l'année surpassée, quand le corona a frappé, il était. Le corona l'avait bloqué ici. Je lui donnais le nom de ma page. Je ne savais pas qu'il avait liké ma page. Vous devez beaucoup travailler pour vous déprogrammer. Vos parents vous ont programmé. L'Europe vous a programmé. Tu ne fais pas attention, tu es bloqué dans un système. Ça tourne comme ça là. Tu ne sors pas. Tu as travaillé comme un malade. Tu te souffles, ton dos te fait mal. Tu nettoies les fesses des blancs là. Tu es fatigué. Tu veux un peu d'argent comme ça là. Donc, résumé de mon direct, tu n'as pas besoin de souffrir pour avoir l'argent. C'est ça que beaucoup de noirs, quand vous arrivez là-bas, surtout les hommes, vous tombez dans les trucs que les blancs appellent illégaux. Parce que vous voyez comment vous allez partir. Il y en a parmi vous que vous êtes parti travailler. Tu as travaillé un mois en Europe, tu es rentré, tu as dit que non, moi je ne travaille plus. Je ne travaille plus chez les blancs. Je ne travaille plus. Sérieux, tu es là-bas depuis une semaine? Oh my god! Je passerai te voir. J'espère que tu as apporté les bonnes choses. Les bonnes choses de Mbeng. En 2021, tu n'es pas venu. Hein, monsieur Jérôme? Lord Chachwa, écris-moi un peu pour voir si c'est moi. Je ne sais pas. Est-ce que je vais te faire un lavage? Malène Audrey, que c'est bon, mais. Savez, Séverine, vous n'avez pas besoin de télécommande universelle pour vous débloquer.
si vous m'écoutez progressivement, vos pensées vont commencer à changer. Parce que les idées que je vous donnais sont les choses auxquelles vous pensiez, mais vous étiez seul dans votre environnement à penser. Imaginons que tu grandis dans une maison où tout le monde est sa maman, famille ticone, papa ticone, maman ticone, cousin ticone, cousine ticone. Il n'y a personne autour de toi qui pense comme toi. Tu tombes sur ma vidéo. Et avant de tomber sur ma vidéo, 6 mois plus tôt, tu as commencé à penser que je peux. Quand tu commences à m'écouter, ça résonne tellement. Le roi Moussa et Néo n'a pas voulu que vous écoutez mon direct. Ça résonne tellement avec ton cœur. Ne te dérange pas. Écoute seulement. Plus tu écoutes, tu vas commencer à te transformer. Tu vas commencer à changer. Oui, ça transforme. Et le jour, je parle avec vous, après je dors parce que je suis fatigué, parce que j'ai passé beaucoup d'énergie. Je vous passe de l'énergie. Pierrette, tu veux que te voir pourquoi? Yeti Prisca, tu dois envoyer ta photo, ton paiement et tes désirs. Un message au 693. Je devais faire le lavage aujourd'hui, mais j'étais trop occupé. Voilà. Christelle Kambou, bonsoir. Où je vous salue, ça fait quoi? Bonsoir. Bonsoir. Quand elle vous dit bonsoir, apparemment ça vous aide. Bonsoir. L'argent ne tarde pas, c'est ta tête. C'est dans ta tête lumière. Souvent tu restes comme ça, là, Dieu te dit que tu peux faire un produit, tu vas à 200 000. Tu dis, qui va acheter? Qui va acheter? Tu vas faire le produit, tu vas à 5 000. Pierrette, je vais te fesser. Comme je dis qu'une mère doit voir, je vais te fesser. Tu vas enlever ta culotte, je vais te fesser bien même là. Depuis le premier jour qu'elle a été vue. Talentueuse, mais tu doutes de toi. Bonjour étoile du monde. Écoutez, une idée ne peut pas tomber dans votre tête. Et ce n'est pas possible à faire. Parce que vous n'êtes pas persévérant. Tu as fait une fois, ça n'a pas donné, tu as laissé. Je fais souvent les séminaires de 200 000 francs à la place. Vous allez bavarder, vous allez venir. Oui, bonsoir Joël. C'est pour ça que laver vos selles, votre argent va commencer à augmenter. Quand je vais mettre mes séminaires, tout ça, vous allez venir. Même 500 000, vous allez payer. Il dit qu'il veut faire des séminaires de Cayenne, que tout le monde va louer la Cayenne. Tu sors d'abord 100 000, tu ne vas pas louer la Cayenne avec. Dans les autres 200 000, là, c'est pour ta place. Tu entres, ton ticket d'entrée, c'est la Cayenne. Il veut voir si tu vas mourir. Comme tu vas entrer dans la Cayenne, là, tu vas mourir. Après, on fait un séminaire de Lamborghini. Vous allez fouiller les Lamborghini dans vos villes, jusqu'à vous allez trouver. Joël, mon salut, quand il vous dit bonjour, vous me donnez l'argent. Je dis qu'il était salué, tu m'as pas répondu. Je suis obligé de te saluer. Quand il vous dit bonsoir, là, vous me donnez l'argent. Ne me cherchez pas. Moi, c'est là, je suis changeante. Il m'a pas dit bonsoir.
Ne vous inquiétez même pas, il n'y a pas besoin de votre argent. Je reste aussi, l'argent me poursuit de tous les côtés. Parce que je vous ai dit que spirituellement, ce que je vous donne chaque jour, l'univers convertit ça en argent, ça me revient. Tu ris. Moi, mes choses me plaisent, mes paroles me plaisent. Même si ça vous plaît pas, moi-même ça me plaît. Ah, Pouna. Vous voyez, en Côte d'Ivoire, il ne parle même plus de patois depuis. Ah, Pouna. Ça veut dire ça me plaît. Pierrette ne passe pas chez moi. Avec les menstrues, on ne se lave pas. Quand les menstrues finissent, on se lave. Je suis au Cameroun, vous me négligez. Il faut qu'elle vienne en Côte d'Ivoire pour qu'on me montre ma valeur. Je rentre au Cameroun, il fait 3 jours, je pars au Gabon. Vous là, vous allez me chercher à Douala, vous n'allez pas me voir. 3 jours, je pars au Gabon. Mm-hmm. Et c'est vraiment trop bien accueilli. Ils m'ont fait placali à checker. Marie, ta couette, bonsoir, merci. Toi, au moins, tu reconnais ce que je donne. Tu reconnais au moins. Ne vous inquiétez pas. Hein. L'univers connaît déjà. Ça me redonne en retour. C'est pour ça que quand vous avez une idée, pas la foi, vous devez faire. Si vous restez au session de parler avec quelqu'un, je dis attends d'abord, attends, je prends le téléphone, il me fait le direct, je vous dis. Et voilà mes conversations de la journée. Je n'ai pas les conversations qui sont bêtes. Vous, là, vous passez le temps. Oh, telle personne a fait ça. Le Congo, ça. Tu fais quoi avec le Congo, ça? Ça t'apporte quoi? Ça t'apporte quoi? Ce que je vous dis là, 90% de mes conversations, c'est productif. Marie, ta couette, oui. Je suis à tranche quoi, 7e tranche. Mm-hmm. Oui, 7e tranche. Chez nous là-bas à la maison. Ici c'est quoi? Il y a un 7e. 6e tranche. 7e tranche. Je suis à 7e tranche, oui. 7e tranche. Cindy Malik, ne te dérange pas, je vais te bloquer dans 2 minutes. Vous venez, vous voulez parler de mes cheveux. Tu me perds la coiffure. Hein? Nana Michel, vous serez surpris. Je suis belle à Abidjan. Moi-même, je connais Nikita. Abidjan est trop bien sur moi. C'est trop doux. Aïe. Les Camerounais m'ont négligé. Ils m'ont négligé, je t'assure. Sur 3 personnes qui me rencontrent ici, une m'a apporté le cadeau. Vous là-bas, vous venez. 6 heures, j'arrive au travail, j'arrive au truc. Vous êtes assis derrière, vous m'attendez. 20 heures, vous quittez du boulot, vous venez me voir. Je vais avoir ma part de vie quand. Ici, je pars à la piscine, je me bronze au soleil, qui n'a même connu pas le soleil. Bon, vous savez que je coupe toujours mes directs, un genre, non. Donc, j'ai fini de vous parler, bye. Si ça n'est pas que vous, c'est que je n'ai même pas de vie, c'est que je parle ici là tout le temps. Quand tu demandes les coûts de lavage à distance, c'est que tu n'as pas l'argent, Juvette. Quand tu arrives quelque part, tu demandes d'abord que ça coûte combien, c'est que tu n'as pas l'argent. Quelqu'un me dit aujourd'hui que je vais venir te chercher. J'ai dit que tu vas venir me chercher avec ta voiture. Je ne mange pas les gens qui n'ont pas l'argent. La maison, c'est d'abord ranger que hey, ok. Oui. Parce que vous voulez tourner, espérer que
Dis-moi, dis-toi tes choses cash. Au lieu de tourner 5 ans avant de voir s'il allait t'épouser ou pas. Tu vois, non. Ça t'économise le temps, ça lui économise le temps. Tu rires. C'est tellement ça, en fait. Tu regardes, regarde, regarde, te salue, il tourne encore pour te draguer. Bonsoir, tu veux quoi? Il tourne, tu veux quoi? S'il te plaît. Ils vont aller que non, c'est parce que. Direct. Choco, tu commences à remettre petit à petit. Appelle les gens là, tu leur dis. Si tu leur dois 5 millions, tu as 50 000. Appelle, tu dis que j'ai 50 000, tu donnes d'abord 50 000 aujourd'hui. C'est comme ça qu'on remet ses dettes. Voilà. Bon, bonne soirée à vous. Bye. Bye. Bye bye.